Messieurs, ce soir, je vous invite dans le futur. Ou plutôt, le passé. Pourquoi vit-on? Et le Big Bang? Qui avait-il avant? Pourquoi ma coupe de cheveux est tellement merdique? Parce que t'es une pédale, ok? Vous savez, j'ai des souvenirs, tellement de souvenirs à partager. Je me rappelle du goût des Milky Way au début des années 90. Je vous promets qu'ils ont changé la recette depuis. Les cons. En fait, vous êtes en train de m'expliquer que vous n'avez pas encore trouvé la femme de votre vie. Lancement de la PlayStation 2. Quel fiasco. Pas un jeu valable à la sortie. Mais, le 23 février 2001, Sega a sauvé le monde. J'ai vu la lumière, et ils m'ont sauvé. Bah évidemment, je l'ai pas trouvé. La femme de ma vie, c'est forcément plusieurs femmes. Et là, vous en êtes à combien? Et fait exploser ma facture téléphonique. Ah, j'ai pas compté. Chaque fois, c'est la dernière. L'atmosphère de ma vie d'adolescent a changé. Le goût des choses a changé. Je me sens mais alors transformé, complètement transformé, je suis plus le même. Je peux respirer à plein poumon, tu vois, le matin, j'ai plus la barre, j'ai la tête légère, tu vois. Les aliments n'ont plus le même goût. Le goût a changé, mais la saveur a changé. Je crois que ça avait le goût de... Et en fin de compte, on se rend compte que ça dure pas, mais... De carottes. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a celles qui m'ont appelé les femmes, par exemple. De courgettes. Vous êtes mon type, mais pas vraiment mon genre. De... Je comprends rien du tout, je vois pas l'écart. Hein. Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Mais Jean-Luc. Je suis ton père. Comment dire? Parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excusez-moi. Bon, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. Bref, messieurs. Partons pour ce voyage. Cette review de Phantasy Star Online. Depuis le temps que vous l'attendiez. Phantasy Star Online aka le meilleur jeu de tous les temps. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'à peine le visage de la photo reconstitué, mon héros est devenu amoureux fou de cette jeune femme qu'il ne connaît pas. Vous trouvez fou, Serge? La 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 la
De quoi est-on vraiment sûr? La question mérite d'être posée. Question qui m'a été posée par une femme d'une quarantaine d'années, prof de français, que j'avais rencontrée sur Adopte un mec, il y a de cela fort longtemps. Soit quoi, je n'ai pas vraiment su quoi répondre. Mais s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est quand l'amour nous tombe dessus. Quand on tombe amoureux, il n'y a rien qu'on explique. C'est l'évidence. Le truc est là. De la même façon que, quand on se quitte, il n'y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, et le truc n'est plus là. Fin 2000, j'avais fait la connerie de demander à mes parents pour Noël la PlayStation 2, avec SSX et Tekken Tag Tournament. Deux jeux qui ne sont pas extrêmement mauvais, mais qui n'étaient pas non plus extrêmement bons. Il a fallu attendre au moins Onimusha et Devil May Cry pour que la ludothèque de la PlayStation 2 commence enfin un peu à s'envoler. Sans parler de MGS2 qui a suivi début 2002. Bref, Phantasy Star Online. Comment essayer de retranscrire la magie de ce qui nous a habité à l'époque? Comment vous expliquer à quel point ce jeu a tout balayé? Je pense que c'est du domaine de l'impossible. Mais je vais essayer dans cette review de vous retranscrire cette magie. Et je salue au passage tous ceux qui ont eu la chance de s'y frotter. PSO. Un jeu produit par Yuji Naka, vous savez le papa de Sonic. Réalisé par Takeo Miyoshi, avec une BO de fou furieux. On va saluer les compositeurs, qui s'appellent Hideaki Kobayashi et Fumiko Matani. Deux génies. Une BO absolument somptueuse dont j'en parlerai après. Ce jeu a marqué un tournant dans l'histoire vidéoludique. C'est le premier vrai MMORPG sur console de salon jouable en ligne. Et rien que ça, pour un joueur comme moi qui avait un PC pitoyable qui pouvait à peine faire tourner Age of Empires, c'était la folie. Je suis tombé complètement dingue de jeu. Pourtant, je ne l'attendais absolument pas, parce que j'étais encore en train de jouer à SSX. Et j'ai un pote en troisième, parce qu'à l'époque j'étais au collège, qui m'a dit « Mec, faut absolument que t'achètes PSO. » Je lui dis « C'est quoi PSO ?» Phantasy Star Online, tu connais pas? Bah non. Bah non, je connais pas. Et j'ai regardé le test parce que j'avais acheté le Joypad à l'époque où il avait une 9 sur 10. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que la Dreamcast commence un peu à prendre la poussière. Je l'achète. J'installe le GD-ROM dans la Dreamcast. Et je branche surtout le modem 56K. Parce qu'il fallait ramener le fil. Tout en haut. Parce qu'à l'époque, je jouais dans le grenier que vous connaissez dans les vidéos, c'était là où je jouais à PSO. Et il a fallu ramener la prise téléphonique tout en haut. Je vous raconte pas la mission. Le jeu démarre, et j'ai passé toute ma nuit dessus. C'était fabuleux. Les musiques, la direction artistique, l'ambiance, le bestiaire, et surtout les gens. Parce que c'était la première fois que je jouais à un jeu vidéo avec des gens. J'arrive dans un lobby, parce que quand on commence Phantasy Star Online, vous ne verrez pas sur les captures malheureusement de la vidéo, mais on commençait dans un lobby. Donc on se retrouvait avec plein de personnes, dont des japonais, et tout le monde parlait. Et alors là, le truc qui était chiant, c'est que moi j'écrivais avec la manette.
Donc très très vite, j'ai investi dans un clavier parce qu'on parlait, on parlait, on disait des conneries. Tout le monde s'insultait dans le lobby, il y avait des menaces de mort. Edge insultait menace, c'était terrible. Et puis, on se faisait des affinités. On se créait des groupes et on se disait « Hey mec, ça te dit de venir chercher cette arme-là ? J'ai vraiment envie de la trouver. » Et je crois que c'était ça en fait le cœur du jeu. La magie de Phantasy Star Online. Au-delà de tout ce que je pourrais vous expliquer, c'était la collecte d'objets rares. Parce qu'en fait, le jeu est extrêmement répétitif. Du moins dans la première version. Il n'y avait que 4 zones. La forêt, la cave, les mines et les ruines. Et c'est tout. Alors chacun de ces niveaux était décomposé en 3 zones, sauf la forêt, seulement 2 zones, on n'a jamais compris pourquoi. Il y avait des petits malins à l'époque qui disaient « Hey, vous savez les mecs, j'ai trouvé un téléporteur vers la forêt 3, je vous jure ça existe !» Et on y croyait tous, on pensait qu'il fallait faire des quêtes, qu'on allait téléporter dans forêt 3, ce n'est jamais arrivé, il n'y a pas de forêt 3, ça n'existe pas. Et finalement, voilà, on faisait tout le temps ces niveaux-là, mais c'est la collecte d'armes rares, découvrir des items rares, qui faisait tout le sel du jeu. Choper un petit mac comme K.O., Opa Opa, Pitri. Choper des armes comme le double sabre, à l'époque on était en pleine peur de Star Wars épisode 1. On avait l'impression d'être Darth Maul. En plus il y avait des doubles sabres laser de toutes les couleurs, il y avait des bleus, des roses, des verts, enfin c'était la folie. On cherchait tous des trucs, on avait tous quelque chose à chercher. Puis chacun avait créé sa classe. Et c'est ça aussi le truc. C'est quand tu commençais, fallait pas te planter de classe. Alors moi, comme d'habitude, j'ai pris la classe la plus standard, la plus classique, la mieux répartie au niveau des compétences. Donc j'ai pris le Yuma. Et mon meilleur pote, lui, qui m'avait invité à jouer, il avait pris un cyborg. Ce qui était chiant avec les cyborgs, c'est qu'ils avaient pas de magie. Puis il y avait des elfes, des magiciennes. Et le but, c'était vraiment de former une équipe cohérente. Avec un mage, avec un guerrier, un cyborg. Bon, les cyborgs, ils étaient pas vraiment utiles. Ils frappaient plus fort, mais ils étaient pas tellement utiles. Seul truc qui était bien dans cette classe, c'est qu'ils étaient complètement immunisés contre tous les poisons, tous les petits sortilèges. Et on partait, par groupe de 4, dans l'aventure. Et on cherchait des objets. Ce qui était dingue, c'est que quand on crevait, on pouvait se faire dévaliser par les autres joueurs. C'est-à-dire que quand tu crevais dans le jeu, en mode online, ton perso il était capoute par terre, et puis il y a le pognon qui dropait, tout le pognon que t'avais accumulé, il dropait au-dessus de ton perso, et également ton arme principale. Je vous raconte pas le nombre de fois où on s'est fait dévaliser avec des mecs, et le nombre de fois où moi aussi j'ai dévalisé des gens. Parce que c'est ça qui était marrant. Phantasy Star Online, je crois que c'est aussi un jeu qui m'a rendu un petit peu moins naïf. C'est qu'au début, on se disait tous, quand on a commencé, ce jeu, ça va être un partage. Ça va être un plaisir d'expérience avec les joueurs, ça va être l'égalité, la fraternité, la liberté. Alors la liberté, oui, quoique t'es prisonnier quand même dans les murs de ce monde. Mais la fraternité, l'égalité, que chi. Non, non. Les gens étaient impitoyables sur ce jeu. Et moi aussi, je suis devenu impitoyable. Je me rappelle qu'à l'époque, je baratinais beaucoup de joueurs qui avaient des armes de ouf, qui avaient des niveaux hallucinants. Puis moi, j'étais niveau 20-30 à ce moment-là. Et le truc qui était marrant, c'est que quand tu droppais un item au sol, t'avais que quelques couleurs. T'avais orange, t'avais vert, t'avais bleu, et c'est tout. De sorte à ce que quand tu proposais un deal avec un mec, si tu lui disais « Hey mec, j'ai un double sabre rose. Je veux en échange le petit mag Opa Opa. » Et là, vous viviez votre business. Puis on se retrouvait dans le lobby. Puis on se disait « Ok, alors dans 5 secondes, on drop tous les deux nos objets. » Alors moi, ce qui se passait quand j'arnaquais les gens, c'est que si je disais par exemple que j'allais dropper une arme de ouf, je dropais une arme complètement bidon. Mais vu que le mec était à 10 mètres de moi, le seul truc qu'il voyait, c'était un item orange. Il pouvait pas savoir ce que c'était, à moins d'arriver dessus. Et le nombre de fois où j'ai entubé des joueurs avec cette technique, c'était... Bon, après, j'ai arrêté. Et j'ai surtout volé aux riches pour donner aux pauvres. Parce que je suis un peu Robin des Bois. Et ça, vous allez vous dire, mais c'est complètement con. Hein. Tous les jeux proposent des recherches d'armes rares. Ouais, mais dans PSO, c'était différent.
parce qu'on était vraiment embarqué dans un monde complètement autre, qu'on n'avait pas envie de quitter. Parce que tout le travail sur la musique, tout le travail sur les bruitages, c'était de la folie. C'était incroyable. Il n'y a pas une seule piste sonore dans le jeu. Il n'y a pas une musique qui est moyenne. Elles sont toutes exceptionnelles. Et on avait juste envie d'écouter ces nappes musicales en boucle, en boucle, en boucle. Et de se balader dans cet univers en couleurs. Pour l'époque, c'était un très très beau jeu. Les couleurs étaient vraiment bien choisies. On avait envie de baigner là-dedans. On avait envie, après les cours, de rester dans cet univers. Et il n'y a aucun jeu avant ou après qui m'a reprocuré cette sensation de vouloir absolument baigner dans cet univers. Parce qu'il y avait une espèce de symbiose entre les images et la musique que je pourrais jamais vous expliquer, qui est au-delà du rationnel. C'est que ce jeu, vraiment, quand tu le lançais, t'étais complètement téléporté, quoi. T'avais l'impression que ce jeu devait arriver, t'avais l'impression que c'était l'évidence. T'avais l'impression qu'il était destiné à exister. Vous savez, moi je suis assez superstitieux. Est-ce que ce jeu est le fruit du hasard? Je pense pas. Pourtant, il était pas parfait, hein. Encore une fois, il était très répétitif, il y avait très peu de niveaux. Tu faisais tout le temps la même chose. Au bout de 3-4 runs, tu connaissais par cœur le truc. Et d'ailleurs, en offline, le jeu est extrêmement chiant. Là, vous allez voir les rushs du jeu en offline. Le jeu, quand il jouait tout seul, d'ailleurs, quand t'avais plus internet, t'avais l'impression de mourir. Il fallait absolument jouer online. Parce que quand t'étais accompagné de joueurs, que t'entendais ces sons, ces bruitages, que tu découvrais des items rares, que tu voyais ces crétins de pingouins jaunes, que t'allais affronter Dark Falls à la fin, mais t'étais en kiff absolu. Et c'est même pas rationnel. Et c'est comme les femmes. Parfois on trouve la bonne. On pense trouver la bonne. C'est magique. Et on peut même pas l'expliquer. Parce qu'il n'y a rien d'explicable. Parce qu'il n'y a rien de rationnel. Alors, il y a eu d'autres versions du jeu. Il y a eu Phantasy Star Online version 2 qui est sorti un an après, en 2002. Moi, le truc qui m'est arrivé, c'est que je jouais tellement à Phantasy Star Online, j'ai passé des centaines d'heures online. Et un jour, on s'est pris une facture téléphonique en combiné, sur 3 ou 4 mois. Et là, ma mère, elle m'appelle, elle me dit « Hey Guillaume, c'est quoi là? Comment ça se fait qu'on a 1500 francs de facture téléphonique ?» Et je lui dis « Maman, ben, je crois que c'est à cause de mon jeu vidéo, quoi. » Elle m'a dit « Oh! Oh là là, mais il faut pas le dire à papa, hein. » Alors, je lui dis pas, mais tu me promets deux choses. Tu ne joues plus jamais à ce jeu, et tu réussis bien ta première S quand tu vas commencer. Parce qu'ils avaient déjà prévu que je ferais S. Et à partir de maintenant, tu vas vraiment bosser les maths et la physique. Et je lui ai dit « Ok maman, je te le promets. » Mais j'étais juste content d'avoir pu jouer pendant quelques mois à ce jeu, et j'étais terriblement honteux d'avoir comme ça pété la facture téléphonique, parce que 1500 francs pour moi à l'époque, c'était extraterrestre quoi. Quand on a reçu la facture, vraiment, moi j'ai cru que le ciel m'était tombé sur la tête, je me suis dit « Oh putain, mon dieu, je vais crever quoi. On va mourir. On va finir à la rue. Le monde est foutu, c'est terminé. » Donc j'ai arrêté de jouer à Phantasy Star Online à cause de ça. Et quand la version 2 est sortie, donc un an après, voilà, bon déjà j'y jouais plus, mais en plus de ça, les serveurs ont fermé très peu de temps après, hein, puisque Sega ont déposé le bilan à cause de une série de fails, dont Shenmue qui les a complètement foutus dans le rouge. Et en tout cas, ouais, cette version 2, j'ai toujours rêvé d'y jouer. J'ai regardé des vidéos, finalement elle apportait pas tellement grand chose. C'était surtout du color swap, t'avais quelques modes en plus. Mais t'avais pas vraiment de niveau d'histoire supplémentaire. Si, ce qui était bien, c'est que tu pouvais arriver au niveau 200. Parce que le niveau max sur Phantasy Star Online 1, c'était le niveau 100. Et donc, c'est que des années après, parce que Phantasy Star Online épisode 1 et 2 sur GameCube, je l'avais acheté. J'avais même acheté le modem sur GameCube pour brancher à la DSL, ça n'a jamais fonctionné. J'étais dégoûté. Par contre, ce qui était bien, c'est que cette version GameCube, il y avait un arc narratif en plus, il y avait plein de niveaux en plus, et surtout, tu pouvais jouer en offline à 4. Donc avec mon frère, on s'est vachement amusé dessus. Mais ce n'est qu'en 2005, quand il y a eu Phantasy Star Online Bluebird sur PC, qu'on y a rejoué avec mon frère, et là, j'ai complètement replongé.
j'ai passé une semaine non-stop. Et là, j'ai dit, ok, j'arrête complètement. J'y rejouerai plus. Parce que y a aucun jeu vidéo qui m'a rendu aussi accro, dans lequel je me suis tellement perdu. Et je me suis dit, si je continuais à y jouer un jour de plus, je vais foutre ma vie en l'air. Donc, je vous dis que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais c'est très dangereux. C'est comme les femmes, encore une fois. Quand tu tombes amoureux à ce point-là de quelque chose, tu te perds complètement. Tu perds tes objectifs. T'arrêtes de vivre. Tu n'es plus vraiment toi. Et j'ai décidé de dire adieu à Phantasy Star Online définitivement en 2005. Avec des regrets, bien sûr, on a toujours des regrets quand ça se termine. Mais c'est rien à côté de tous les souvenirs que j'ai en tête. J'étais dans une équipe à l'époque qui s'appelait la Team Core, je les salue si jamais il y en a un qui passe sur la vidéo. Puis je me souviens de discussions incroyables avec des gens. J'avais rencontré une fille à l'époque qui avait 5 ans de plus que moi, moi j'étais ado, j'avais 15 ans, elle en avait 20. Et moi, tout naïf à l'époque, je lui demandais, c'est comment la première fois avec un mec, ça se passe comment, qu'est-ce que t'as ressenti toi? À l'époque, j'ai vraiment demandé ça à une fille sur le jeu qui s'appelait Delphine, c'était son pseudo. Et elle jouait une mage, elle jouait une petite elfe avec avec un costume à la Link, elle était tout en vert. Et on avait discuté pendant au moins 3-4 heures ce jour-là. À un moment, en fait, on avait arrêté de courir avec les persos pour charger des armes, mais on a discuté. Et c'est passionnant, j'ai rencontré plein de gens comme ça, j'ai rencontré plein de gens super sympas. On faisait des quêtes, on avait tous des objectifs et on partait en aventure. On avait ces sons dans la tête. Et c'était juste fabuleux, quoi. C'était fabuleux, cette expérience online. J'aimerais vous dire tellement de trucs, mais c'est quasiment impossible. Je peux vous dire qu'à l'époque, j'écoutais du placebo, je sais pas pourquoi. J'écoutais la musique qu'il y avait dans le film... comment il s'appelait ? Sex Intentions. Enfin, ça, c'est le titre français, le titre bidon. Le titre original, c'était Cruel Intentions. Et je me rappelle que parfois, quand je me connectais au lobby, j'écoutais ce morceau de placebo juste avant. Je sais pas pourquoi, là, ça me revient tout d'un coup. J'étais dans le lobby et je parlais aux gens. Parfois je parlais avec des Anglais, parfois avec des Français. Parfois même des Allemands, on parlait tous quasiment anglais. Puis on se connectait à un serveur, parfois on faisait des parties privées. Et c'était parti pour forêt 1, forêt 2. Cave 1, cave 2, cave 3. Mine 1, mine 2, mine 3. Ruine 1, ruine 2. Puis à la fin on devait affronter Dark Falls. Dark Falls, le boss final qui était juste à l'époque. Parce que là... vous allez voir encore une fois des rushs de jeu qui sont pas du tout représentatifs de ce qu'est Phantasy Star Online. Parce que là, moi je m'étais fait des persos complètement pétés à la fin. Mais quand tu commençais, que t'arrivais, que t'étais niveau 1, tu te faisais péter dans tous les sens, même en mode normal. Il y avait 3 modes. Il y avait le mode normal, hard et very hard. Et je peux vous dire que même en normal c'était chaud. Et Dark Falls, il te balançait des sorts à la fin. Il fallait les bonnes armures, il fallait les bons équipements et il fallait surtout les bons coéquipiers. Et c'était vraiment épique, et on passait parfois 4-5 heures voilà, à se faire tout le scénario, avec toute une équipe, et on restait au générique de fin, on était tous heureux. On se retrouvait dans le lobby, parfois voilà, quand on était vraiment dans l'optique de partager, à la fin on se partageait le loot, on se partageait le pognon, les armes rares, et on essayait vraiment de trouver plein d'équipements cool. Et comment vous expliquer le reste? C'est impossible. Et je pourrais pas vous expliquer grand chose de plus. Juste que c'était une période magique. Une période magique de ma vie. Que j'aimerais vraiment revivre des fois. J'aimerais vraiment parfois être téléporté en 2000, 2001. Revivre tous ces mois-là. L'expérience de la première fois que je me suis connecté. Les potes qu'on avait ensemble. Ces quêtes. Ces musiques. Retrouver la vibe de cette époque, de cette période de ma vie. Voilà, c'était une période magique. Et je pourrais pas vous dire grand-chose de plus. À part que l'amour, quand on l'a, il faut vraiment profiter, parce qu'en général, ça se termine. Ça peut se terminer bien, mais en général, ça termine mal. Et on reste sur des souvenirs, des regrets. Il faut garder le positif. Messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre soutien. Et à très bientôt.